Bonjour tout le monde, c'est Agachi. On est parti pour l'épisode numéro 12 de Mao Shoujo Ikusei Kekaku. C'est le dernier, voilà, j'en pouvais plus, il est sorti hier, j'ai dû attendre jusqu'à aujourd'hui. 16h46 pour le regarder, c'est une honte, c'est une honte, je vous l'accorde. Bref, du coup on n'attend pas plus longtemps que ça, non, je n'en peux plus moi-même. C'est parti pour l'épisode. Voilà. Ah là 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 là, comment ça va se finir? Comment ça va se finir? Le stress est à son comble. C'est la description que donne le jeu portable. Ouais, voilà. Le manuel, c'est vrai. Qu'elles sont un peu plus fortes qu'elles sont dans l'air. Ah, c'est dommage. Ça partait d'un bon principe. J'espère que Ripple va pas mourir. Par contre, j'espère que Swim Swim va mourir terriblement douloureusement. Oh, pauvre Alice. Ah, oh, j'en pouvais plus. Arrêtez d'en rentrer tous les personnages qui sont morts. Arrêtez. Ah, le pauvre lui aussi. Putain, le premier mort, quoi. Enfin, non. Le premier assassiné, on va dire. Ouais. A dit qu'elle sert à rien. Bon, c'est sûr que c'est la moins qui se, c'est celle qui se rapproche le moins d'une combattante. Mais niveau Magical Girl, ça doit être celle qui s'en rapproche de très loin, le plus. Elle est vraiment Magical Girl, et contrairement à tous les autres qui se. Déjà, Magical Girl, elle, c'est la seule qui a une compétence qui va dans ce sens-là. Entendre les pensées. Tous les autres, ils avaient tous des compétences du style je peux créer des armes. Mais toutes mes cibles touchent leur. Enfin voilà, il n'y en avait quasiment aucun qui avait une vraie compétence utile. Mais. Ouais, genre une épée, ouais, c'est bien d'avoir l'épée. Ah, si t'as un peu speed, par contre, c'est utile. Mais c'était quoi déjà le pouvoir de. Sister Nana? Regarde, toutes celles-là avaient des pouvoirs inutiles. Non, Cranberry était bien, même si elle s'en servait pas du tout comme ça. Nemorin, oui, il était bien aussi. Les deux anges. Non, les deux anges, ça pouvait être utile. Après, Swim Swim, ouais, attends, ça peut être. En fait, c'est utilitaire, donc ça. En fait, il y a quand même quelques pouvoirs. Regarde, elle, ça sert à rien. Elle est Magical Girl, son corps est déjà de base plus résistant. Une voiture elle rentre dedans, elle s'en bat les couilles. Alors pourquoi lui donner un pouvoir qui permet de ressusciter? Enfin, qui permet de résister à n'importe quel choc? C'est vraiment des pouvoirs uniquement prévus pour le combat, là. Ils peuvent pas le cacher. La pucelle qui avait une. Ouais, voilà, comme je disais, l'épée qui se rallonge pour la pucelle. Ah, voilà. Mais du coup, c'était pareil, c'était typiquement juste pour le combat. Ah, Final Not Found, c'est vrai, avec la fin d'épisode 11 où ça grésille un peu.
Du coup, Snow White, en étant la meilleure Magical Girl, c'était du coup la plus désavantagée. Oh non, pas l'une en face de l'autre dès le début. Eh, hey, c'est le début de l'épisode. On se calme. Non. Catégorie violation de contrat. Bravo, monsieur le gaffeur. Il fait genre, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que le monsieur, il n'y a pas longtemps, il savait très bien qu'il était en train de les duper, mais bon. Encore, il n'aurait jamais rien précisé, mais non. Il aura bien dit qu'il y avait une erreur, et donc il y avait trop de participants. Et donc il fallait les éliminer. Il disait pas, faut les éliminer parce que c'est le but de votre transformation. Non, donc il savait très bien qu'il était en train de les duper, alors qu'il fasse en mode, oh là là, pourquoi? Tu es surprise? Bien violemment en plus. Parce que Swim Swim est une connasse. Merci. Si même lui le dit. Si même lui le dit. Et puis évidemment, ils pensent qu'ils veulent juste se gagner. Mais vu le boulot qu'elle aura à faire une fois qu'elle est maîtresse, je pense pas vraiment qu'elle soit non plus taillée pour l'emploi, mais bon. Ah, puis avec la pluie, impossible de l'entendre, quoi. Sauf que... Ah oui! Mais elle peut être immatérielle en même temps qu'attaquée? Je trouve ça tellement con comme. En fait, ils veulent trouver une magical girl, quoi. Enfin, je sais pas si c'est quoi le but qu'elle aura plus tard. S'ils trouvent vraiment la candidate idéale. Ah, tu réalises ça que maintenant, merde. Mais en fait, ouais, je sais pas pourquoi ils veulent une Magical Girl, mais si vous voulez qu'elle fasse le bien, faire une sélection où ils s'entretuent tous, c'est un peu contre-productif parce que du coup ça les vénère un peu. Ouais, voilà.
Le truc, c'est que tu peux rien y faire, parce qu'il peut, il peut tuer n'importe lequel d'entre vous quand il veut, alors... Je sais pas ce qu'elle va faire, mais... Ah! La seule qui évite le combat, du coup. Je trouve particulièrement agaçant. Il y a déjà des mascottes sans émotion dans d'autres animés qui disent des trucs un peu atroces sans s'en rendre compte. Mais je veux dire, lui, en plus, il a une façon de s'exprimer. Il est censé être intelligent, mais sans émotion. Mais là, il a juste pas de cerveau, en fait. Il essaye même. Et en fait, il essaie même pas de comprendre, en fait. Il est comme Swim Swim, on dirait un gosse de 5 ans. Pourquoi ça t'emmerde quand je te fais mal? Voilà, c'est un peu ça. Oh! What the fuck? Ah, parce qu'il t'avait donné une information sur la lumière et le son, mais t'en avais pas du tout pris compte en fait. T'es arrivé sans plan! Est-ce que t'es con? Oh merde! Oh non, pas un œil! On a trouvé moyen de l'aveugler, mais... Oh non, 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 non. Grenade flash. Flashbang. Ah, Nemorin, c'est con, t'étais trop gentil, mais qu'est-ce que... C'est toi qui as fait devenir Swim Swim comme ça? Bon, elle a clairement... C'est clairement pas de sa faute, hein. Je dis ça pour rigoler, mais... Ah, ça l'a battue, vraiment? Ah, ça l'a mis inconsciente. Ça résonne dans l'eau, ça doit être ça. Son corps est fait d'eau, du coup. Donc ça résonne et ça l'a... Ça l'a knock-out, on va dire. Elle va pas oser la tuer, ou alors Snow White va l'arrêter. Oui, encore plus. Quoi? Elle se bat si facilement? Oh. Mais tu vas pas mourir? Un suicide, non. Je suis un peu dégoûté que Swim Swim soit morte sans souffrir un minimum. J'aime pas la violence gratuite, mais franchement, elle, elle le méritait. Elle a tué trop de personnages gentils et sans aucun remords. La violence n'est pas la solution, mais des fois faut la douleur, ça apprend des choses.
Allez, faites ça avec nous. Oh non, non, ne me dis pas qu'elle va. Oh non! Non, elle n'est pas morte. Son bras est toujours là. Son bras, elle est revenue du coup. Non, elle n'est pas morte, elle n'est pas morte, elle n'est pas morte, elle est en vie, elle est en vie. Oh, elle est morte, non. Non, Ripple est morte, non. Putain, c'est l'enfer. Bon, de toute façon, elle sera obligée à s'entretuer, mais. Oh. Ah, qu'est-ce qu'a fait la patte de lapin? Ça a ressuscité Ripple. Yes! Yes! Vas-y, détruis-le! Détruis-le, allez! Oui. Ah, comment il fait le... Oh, comment il a la trouille! Comment il a la trouille! Oh, vas-y, défonce-le. Détruis ça. Oui. Mais les morts dans cet anime sont trop rapides. On n'est pas assez satisfait. Ah, du coup, on est direct passé une autre scène? Ils sont restés Magical Girl, mais sauf qu'elles font ce qu'elles veulent, non? Ah, notre femme, ouais. Titre d'épisode. C'est Ripple. なんかワイルドになった。
Montrez-moi, montrez-moi. Ils vont prévenir. Ils sont en train de du coup faire le enfin ils sont en train de faire les Magical Girls dans le monde entier, toutes les deux. Ah oui, du coup, elle a un œil en moins. What? Non? Ah. Oh. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres sélections dans d'autres zones ou... What? Ah, ils s'entraînent. Ah d'accord, elle va sauver le monde et puis après elle s'entraîne aussi. Du coup, dans sa forme de Magical Girl, elle a perdu son bras et son œil, mais pas dans sa forme humaine. Parce que tout à l'heure, quand elle était en forme humaine, j'ai l'impression qu'elle avait toujours son bras. Du coup, ils reçoivent toujours des messages du monde de la magie, mais ils viennent pas les arrêter. Du coup, ça reste comme ça, tant mieux, hein. Ça fait une happy end, même juste pour ces deux-là. Mais au moins, c'est quand même une happy end. Du coup, on va même plus encore. Oh là 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 là. Oh, il n'y a plus rien après, non, c'est la tristesse. Ah, oh, il n'y a même pas de petite après. Bon, c'était vraiment la fin. Ah, oh, cet anime était excellent. Franchement. Bon, les premiers épisodes, enfin, dès les premiers épisodes, je savais que c'était un truc qui allait être un minimum hardcore. Mais franchement, il était vraiment bien. Enfin, je m'attendais à du hardcore, mais pas autant de cruauté, surtout dans les morts des personnages sympas. C'était vraiment gratuit à des moments, mais... Ben, surtout Swim Swim, hein, dans la catégorie personnages... Allez, dans mon top 10 des personnages que je ne peux pas supporter. Hein. Non, top 5 même. Enfin, même quand je dis top 10, pour vous dire la vérité, je sais même pas s'il y a 10 personnages d'anime que je déteste. Il y a des personnages que j'aime pas trop, que j'apprécie pas trop, mais des personnages que je déteste carrément, il n'y en a pas beaucoup. Mais allez, rentrez dedans quand même. Avec Nina de Code Geass. Mais Nina de Code Geass, c'est la first quand même. Mais bon, Swim Swim, oh mon dieu, c'était une horreur. Ah, c'est une grande partie du fait que j'adore cet anime. Au final, oui, voilà, c'est ça qui est bizarre. Je déteste Swim Swim, et ça doit être ça qui fait que j'adore cet anime. C'est que. J'aime bien quand on me. En fait, j'aime pas forcément quand l'anime me donne des bonnes émotions. J'aime bien quand il me donne juste des émotions. Donc, le fait que je la déteste, j'adore ça. Merci beaucoup, c'est bon, il n'y a plus rien. Voilà, c'est fini. Donc, du coup, le fait que je la déteste, c'est le fait que. Du coup, j'adore ça. Mais, sinon, plus vraiment, tous les personnages, même si ça développe pas vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup leur vie personnelle, ils ont tous eu le droit à leur petit passage où on comprend.
comment, pourquoi ils sont comme ça, quelle est leur façon de penser et tout. Comment dire. Et du coup, c'est ça qui est bien, on s'attache à chaque personnage, même les personnages méchants, on va dire. Pas Cranberry, mais. J'ai perdu son nom, j'ai perdu son nom. Pam pam boum boum là. Celle-là qui fait ratata boum boum. Bref, celle-là qui fait apparaître des armes, la blonde. Et j'ai totalement oublié son nom. Même Mel, ça a beau être une vieille aigrie, tout ça. Au final, on comprend pourquoi elle est comme ça un peu. Même, franchement, j'approuve pas du tout. Hein. Je la kiffe zéro, hein. Je l'aime pas du tout. Mais on comprend, je veux dire. On comprend pourquoi elle est violente en Magical Girl, parce qu'en humaine, elle aime pas qu'on la regarde de haut, tout ça. Ben voilà, je veux dire, on a un peu le sujet global, même si on n'approuve pas forcément. Sauf pour Swim Swim, du coup. Parce que Swim Swim, elle, c'était vraiment le personnage qui, bonjour, j'ai décidé de tuer tout le monde. Pourquoi? Parce qu'I don't give a fuck, putain. Voilà, c'est ça, en fait. On sait pas du tout pourquoi elle est. Enfin, comme ça. Enfin, si, pour moi, c'est le délire d'une gamine, en fait. Elle se rend pas compte. Elle se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. Pour moi, c'était ça. Elle s'était jamais fait blesser, rien. La seule blessure qu'elle s'est prise, du coup, c'est. La seule blessure qu'elle s'était prise, bah, c'est les deux fois où elle s'est fait frapper par du son. Mais c'est tout. Et encore, à chaque fois, elle tombait inconsciente direct. Donc, elle a jamais vraiment souffert. Elle a jamais, un seul moment dans l'anime, reçu de la souffrance qui aurait peut-être pu lui dire, c'est réel, c'est vrai. T'as vraiment mal, oui, tous les gens que tu tues autour de toi, ce sont des vrais gens. J'ai l'impression vraiment que c'était une gamine pourrie gâtée qui comprenait rien. Enfin, pourrie gâtée, pas vraiment forcément non plus, mais. Et voilà, du coup, elle m'énervait, elle m'énervait. Oh là là. Voilà. Donc, je vais pas. Oh, si, quoi que c'est le dernier épisode, je peux épiloguer encore un peu. Du coup, ouais, Ripple, rien que Ripple, quand ils avaient montré son passé, enfin, comment elle, quand, ouais, quand elle était petite, quand elle a grandi et tout. Qu'est-ce que j'adore ce personnage, j'aimerais tellement en voir plus dans les animes des personnages que quand un groupe vient l'emmerder, elle arrive, elle fait toi, bim, pain dans la tronche, tu fermes ta gueule. Ah, qu'est-ce que. Du coup, Ripple. Ah, je sais pas si c'est vraiment ma perso préférée du coup. Ah, on va dire oui quand même. Ripple, ça devait être ma préférée, même si au final, au fil des animes, je vais pas vraiment montrer plus d'intérêt que ça envers elle, mais c'est parce que vu qu'on switchait beaucoup entre les personnages et que. J'essayais de mettre de la distance quand même avec les personnages, vu que je savais qu'il y avait beaucoup de chances que tout le monde meure. Du coup, Ripple, j'aimais beaucoup. Top Speed aussi, en fait. Hein. Top Speed, en vraie vie, trop kawaii, trop mignonne, trop attentionnée. Wouah! Voilà, quoi. Ripple, c'est vrai que j'aimais bien son côté, je me laisse pas faire. Snow White, voilà, je peux rien lui dire. Franchement, ah, je sens qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, Snow White, t'es inutile, blablabla. » Je supporte pas les gens qui disent ça. C'est une magical girl, il est fait pour sauver des gens. Elle a un pouvoir qui... Elle est pire qu'utile, celle qui a le plus de bonbons de loin, celle qui sauve le plus de gens. C'est sûr qu'au combat, elle est nulle. Mais c'était clairement pas pour ça qu'elle avait été faite. Ah, puis du coup, le fait qu'à la fin, ouais, elle décide de sauver encore plus de gens et tout. Franchement, elle, c'est vraiment la best magical girl pour le coup. Après, qui a les autres personnages à décrire. Sister Nana et Winter Prison, c'est dommage. Eux, pendant tout le truc, ils sont battus pour faire genre, hey, on se réunit tous ensemble et tous potos. Ça a été gâché par Sun Tzu, mais je veux dire, voilà quoi, c'est vraiment triste en plus, ouais, c'est fini par se suicider, Sister Nana, c'était l'enfer, non, c'était nul. Ah, ça prouve bien la dépression de cet anime, quoi, les personnages, ils meurent tout seuls, voilà, ils vont se suicider tellement qu'ils en avaient marre aussi. Même si, ouais, Sister Nana, je me rappelle vraiment plus, c'était quoi son pouvoir? Je sais pas, en tout cas, le pouvoir le plus badass, si je devais en choisir un parmi tous, c'est de très très loin le pouvoir d'Alice. Alors là. La meuf, tu la mets en charpie, tu la mets dans du béton, dans un tonneau, dans la mer, elle sort en mode bonjour, excusez-moi, j'aime pas trop l'eau salée. Voilà. Elle est juste trop énorme, 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 énorme. J'adore. J'adorais trop son pouvoir. En plus, son style, j'adore aussi. Le fait, ouais, que j'avais fait de remarques, genre Snow White et puis Hardcore Alice, ça faisait tellement blanc-noir, puis elle aussi a fait oh, blanc et noir, ça va être joli ensemble. Ouais, c'était trop ça, c'est vrai, elle avait totalement raison. C'était génial. Après, ouais, c'est vrai. Je trouve que par contre, c'est la pucelle qui est morte un peu, qui est mort un peu vite. C'est dommage parce que, enfin, justement, c'était le seul garçon Magical Girl. Je trouve qu'ils auraient pu le garder un peu plus longtemps en vie, mine de rien. Parce que c'est triste du coup de perdre le seul Magical Girl aussi vite. En plus, ouais, c'était le meilleur ami. Bon, c'était pour la choquer dès le début. Du coup, dès les premiers épisodes, elle était en mode tétanisée par.
par ce qui se passait. Surtout qu'elle a appris quasiment aussitôt que c'était pas un accident. Donc bon, sa mort était, on va dire, plutôt nécessaire quand même pour que Snow White passe tout l'anime en mode tourmenté. Mais c'était triste. Donc je crois que j'ai fait le tour de tous les personnages. Ah non, il y avait. Ah, c'était Calamity Mary d'ailleurs, celle avec. Bon, pardon, bon, moi je viens d'y repenser parce que je viens de penser à Megaroid 44, qui était ouais, personnage, on va dire. C'était le comptable. Voilà. Non, c'est le personnage qui avait pas vraiment d'envie de devenir Magical Girl, qui avait un peu rien à foutre du monde. Et qui allait juste dans son intérêt, histoire de dire je veux pas forcément gagner, mais je veux certainement pas perdre non plus. Et elle, pareil, bah, en fait, comme tout le monde, elle est morte gratuitement, mais je veux dire, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vue un peu plus longtemps aussi. Après, elle était tuée par Alice, avec une main qui traverse le corps, voilà, c'était super stylé, c'était trop bien, on pouvait rien dire. Voilà. C'était trop cool. En bref, cette année, ouais, dans l'ensemble, franchement, je l'ai vraiment adoré. Même le style graphique était super cool. J'aime bien la façon la façon qu'ils ont fait les yeux, c'est-à-dire, ouais, comme là on voit, bon, c'est pas le même style là exactement, mais je veux dire, avec le sort de petit arc de lumière qui se reflète juste dans le bas de l'œil, c'était assez spécial, c'était plus détaillé que les autres animes d'habitude. Ça faisait un style particulier. Bon, j'ai eu un peu, tout petit peu de mal justement avec les yeux au début, je me trouvais, oh, ça fait quand même chelou, mais au final, ouais, c'est vrai que c'était super joli. Après, ouais, l'anime est dans un sens assez pas enfantin, mais je veux dire, ouais, dans le style Magical Girl, mais en plus avec du sang, donc. Mais je trouve que les deux styles étaient plutôt bien mélangés, c'était cool. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je crois que j'ai parlé un peu de tout. Ah, les endings, les openings, j'adore autant les deux, j'ai téléchargé les deux, voilà. L'opening est super cool parce que ça met l'action, c'est l'ambiance, et tata, Magical Girl, mais en restant sérieux. On va dire c'est Magical Girl, mais pas Bisounours. C'est Magical Girl sérieux, mais ça fait un bon truc d'action, c'est sympa à écouter, ça met punch. Et l'ending est tellement beau. Et l'ending est super beau à côté, il présente tous les personnages. J'ai adoré les deux. Voilà, donc du coup, vu que maintenant j'ai fait le tour de tout l'anime, je vais aller m'empresser de fourrer ma vidéo sur YouTube tout de suite. Voilà. Non, mais sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour un prochain anime. Vu que là, c'était le 12, une prochaine saison va bientôt commencer. Je vais voir s'il y a des animes qui m'intéressent. Déjà, hein, c'est sûr à 100%, je ferai une annonce dessus. Voilà. C'est sûr à 3000% que je le regarde parce que marrant, marrant, c'est trop marrant. Je suis sûr que vous êtes vénère et qu'en fait que je dise que c'est l'anime le plus marrant du monde. Voilà, et c'est une saison 2. Donc comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper à la qualité de l'anime, vu que la saison 1 était trop au top. La saison 2 va être au top aussi, j'imagine. Voilà, donc sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Et là, je me répète comme ça à chaque fois, ça me permet de me rappeler qu'il faut que je vous prévienne, enfin, qu'il faut que je finisse ma vidéo. Si vous avez aimé, du coup, mettez un j'aime. Non, c'est un pouce bleu, les j'aime, c'est sur un autre site, c'est sur Facebook. Bref, mettez un like. Mettez plein de commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de l'anime en général. Ouais, ça, par contre, ça m'intéresse énormément parce que, vu que c'est un Magical Girl, je veux savoir comment les gens l'ont pris, si il rejoint un peu le côté Madoka Magica, s'il sort un peu du lot aussi comme celui-là, ou si justement Madoka Magica il aurait pas. Genre, profiter de l'élan de certaines personnes pour être surévalué par les gens, même si. Je le kiffe à mort aussi cet anime. Mais je veux dire, pour voir si un autre Magical Girl plutôt gore, plutôt mature, il a le même impact, on va dire, s'il attire autant les gens. Ça m'intéresse vraiment de savoir ça. Et du coup, abonnez-vous. Parce que je vais réagir à d'autres animes dans le genre aussi. Venez voir mes vidéos. Elles sont cool, mes vidéos. C'est un avis pas du tout objectif. Mais voilà. Non, bref, je vous remercie d'avoir suivi ça avec moi. Je vous dis à bientôt et salut tout le monde!